Mais ça, c'est très grave. En tout cas, il y a ça devait se passer dans le monde. Mais pas dans l'église. La traversée du désert. Quand nous beaucoup meurent au désert. Beaucoup sont déjà morts au désert. Un temps de preuve. On doit être testé. On doit être tenté. Il faut résister. Ne murmurez point. C'est une mauvaise chose. On doit parler. Vous devez apprendre à parler. Je ne suis pas le pape. Les autres, les ministres ne sont pas des papes. Nous sommes des frères. Et il n'y a même pas de cérémonie pour être reçu. On peut me voir n'importe où. Quand je suis en train de parler, parce qu'il n'y a pas d'audience. Un chrétien, il est libre. Mon Christ est Kourou. Dit, pasteur, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, ma Dieu. Mais je dis que nous pouvons nous envoyer au bureau. Nous sommes pour retourner au bureau. Je n'ai pas amené ça à la chaise. Mais je t'avais les membres pour lui. Ici on prêche la parole de Dieu. Ah, pas nous l'amour tout n'a. Mais on doit parler. La quête n'a pas chaque sombria. Murmure. Manunguniko. Ça tue l'église. Et qu'on a ouvert la nuit. Il y a eu des murmures au désert. Mujango amurkuya kamashishishi. Barikufa sana. Ils sont morts. En rapport avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jacques dit ce qui suit, on peut lire cela. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, car voici le juge à la porte. Peu importe ce qui arrive, les plaintes doivent cesser. Nous devons apprendre à nous supporter. Jésus revient bientôt. C'est ça la vie chrétienne. C'est comme ça que nous devons marcher. Et ce sont des mises en garde. On doit tirer des leçons. Beaucoup sont morts à cause de ces choses. Et quiconque marche dans ces choses, il est difficile qu'il soit à guerre devant Dieu. Mais on doit traverser le désert. On doit faire face à ces choses. On doit le vaincre. Quelqu'un m'a causé des torts. Au lieu que je me plaigne. Je supporte la chose. C'est ce que la Bible demande. Il une situation arrive. J'ai raison devant Dieu, devant les hommes. Mais comme c'est mon frère qui est à la base de la chose, ça, ça, les mambo. Je mets cela sur le compte de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et Dieu aime cela. Je mets cela sur le. Dieu nous a révélé sa volonté. Cette volonté se trouve dans la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup reçu par rapport aux dénominations. Et notre jugement sera très sévère. Comme je l'ai dit au début de la prédication, au départ, ils étaient nombreux.
Mais à l'arrivée, nous devons faire un sur un million. C'est ça notre marche. Maintenant, essayez maintenant de voir les aspirations de votre cœur. Est-ce que vous faites cette chose? Comment être agréable? Ah, mambo ya ngo kanisa, notre église, nous sommes dans la vérité. Ou bien ton problème, c'est dire seulement que mine dans le tabernacle, tout en vérité. Une fausse doctrine. Nous n'avons pas de fausse doctrine au tabernacle. Après, nous n'avons pas de doctrine de tonnerre. J'ai des visions. Mais la pataka maono. Tout ça, c'est très bien. Votre vie, Maisha yako, est-elle agréable devant Dieu? Et qu'on a un pendez à mungu. Pas devant le pasteur. Il y a des gens qui font tout pour être vu du pasteur, des ministres, des diacres. Moi, je peux vous apprécier. Je suis un homme et je peux me tromper dans mon jugement. Le vrai jugement, c'est le jugement de Dieu. Et nous avons un miroir. C'est la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. La vie la maïcha ya ko. Et regarde aussi ta vie est conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans notre marche, même dans des petites choses, je veux être agréable. Et qu'on appenda ni ko paka wa kumpendeza Mungu. Et là, il y a des efforts à fournir. Na jo kumpendeza Mungu ina pasha. C'est un travail permanent. Et Dieu nous accorde selon les désirs de notre cœur. Heureux ceux qui ont faim soit de la justice. Car ils seront rassasiés. Si Dieu découvre que dans votre cœur, c'est ça votre préoccupation, Dieu vous donnera selon le désir de votre cœur. Mais ne soyez pas ignorants. Dieu, il est bon, mais il est aussi sévère. C'est le Dieu que nous servons. Et Paul ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pourquoi, mon frère, cette étape représente beaucoup de risques. Et à toi et à Djangwa, il faut franchir ça pour les autres. Il n'a pas de temps à toi et à Djangwa, il faut qu'on soit là. Il n'y a pas contourner. Il n'y a pas moyen de faire Djangwa. C'est une étape obligatoire. Il n'a pas de temps à Dieu pour pitié de Djangwa. Franck disait, personne n'est immunisé contre la tentation. Non, je suis déjà vacciné contre la tentation. Non, vous devez affronter la chose. Il n'a pas chaussement même la kile kitu. Et vous devez la vaincre. Non, on a ukishinde. Vous devez lutter, vous devez résister. Il n'a pas de combat kushima maimara. Le Satan nous attaque. Et le champ de bataille, c'est la pensée humaine. Je dois refuser. Je dois résister. Parfois, je reçois des frères. Dis, pasteur. Oh, pasteur. Le diable me donne de mauvaises pensées. Hein, personne n'est immunisé contre ces choses. Attends, pasteur, on doit résister. Même les pasteurs doivent résister. Je dois combattre. Et je dois vaincre. On doit passer par là. Même les maladies, les épreuves, la faiblesse, nous passons tous par là. Chibote, tourne à pitié, mounjala, tourne à pitié. Notre vie, Maïsha Yetu, si vous comparez cela à la vie des païens, nous sommes toujours sur la même voie. Il y a quelque chose à nous que le païen n'a pas. Nous portons un trésor dans des vases de terre. Parfois, on peut tamponner un frère sa païen. On est choqué comme un chrétien. J'aime Christ, tu vas la Mokonga. Pas non.
Fils de Dieu. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Car pour vous, on a pu passer à Bantu. J'ai dit, vous êtes des dieux. Mais et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Mais vous, on a pu passer à Bantu. Une maladie vient vous attraper. Vous n'êtes pas dans ma gondole. Tout l'homme, on a pu foi. Nous prions, tu meurs. Notre vie n'est pas différente de la vie des autres. Mais on a les mêmes difficultés. Mais on a quelque chose que le monde n'a pas. Quand les autres passent par ces épreuves, mais ils échouent. Mais nous devons vaincre. Pour atteindre notre destin. C'est une étape nécessaire. Le désert.